toujours aimé me lever tôt le matin. Là, c'est magnifique, il est. Si j'arrive à y voir quelque chose. 5h25. Le soleil se lève. Et rien que ça, ça vaut tout l'or du monde de voir le soleil se lever. Il y a 30 secondes, il y avait des centaines d'oiseaux dans le ciel. Je n'ai pas cherché à voir ce que c'était comme type d'oiseau. Pas des moineaux, en tout cas, c'était plus gros que ça. Il y a un dicton qui disait « L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt ». Il n'est pas anodin, il ne sort pas de nulle part. S'il y a des dictons comme ça qui datent parfois plus loin que le Moyen-Âge, c'est qu'il y a une raison. C'est vrai que c'est pas forcément idéal de faire une vidéo en roulant, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire plusieurs choses à la fois, et surtout j'ai pas beaucoup de temps, donc n'ayant pas beaucoup de temps, j'essaie de faire des vidéos quand j'ai le temps. Donc là je roule, ça tombe bien, j'ai le temps, et ça me permet de, puisque je suis dans mes pensées, autant en faire profiter. Donc ouais, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, et ça aussi c'est un piège, surtout aujourd'hui avec internet. Tout le monde se découvre une intelligence incroyable. Si je fais deux clics sur internet, c'est ce que j'ai fait il y a quelques semaines ou il y a quelques mois même, je serai HPI. Alors bon, j'y prends pas en compte, hein. Ça m'intéresse pas plus que ça. À l'occasion, toujours pareil, faire des tests et puis vérifier éventuellement, si c'est le cas, exploiter cette possibilité, mais sinon non, arrêtons de tomber dans tous les pièges du système. Les gens qui se couchent tard et qui se lèvent tard sont une minorité de personnes qui ont ces facultés là dans la mesure où ils vont briller. Souvent ce sont des artistes qui vont briller pour être comme ça, en fait, en étant comme ça. Mais sinon, la plupart des gens, ce sont le commun des mortels, et ils se lèvent tôt pour travailler dur, pour faire quelque chose de leur vie. Donc moi, je suis pas plus intelligent que les autres, et je me suis levé tôt dans ma vie pour essayer de faire quelque chose. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, c'est juste une courte vidéo parce que j'y pense, mais arrêtez de tomber dans tous les pièges, quoi. Ah, moi, je me lève tard, ils l'ont dit à la télé, je suis quelqu'un d'intelligent. Ouais, d'accord, t'en es où dans ta vie? Parce que j'en avais qui était à l'usine, qui n'avait pas le moindre bout de métier, qui était endetté, qui avait rien en fait, qui n'y arrivait pas du tout. Mais ils avaient vu sur internet ou à la télé à l'époque que les gens qui se levaient tard étaient plus intelligents que les autres. Ils y croyaient et ils se confortaient là-dedans, même s'il n'y a rien qui fonctionnait, quoi. Donc non, moi je connais des gens, personnellement ou pas personnellement, des personnalités publiques parfois, qui sont très intelligentes, hommes ou femmes, et pourtant qui se lèvent à 5h30 tous les jours parce qu'ils ont envie d'y arriver, et ils ont bien fonctionné, ils y arrivent, quoi. Mais voilà, attention à ce piège à la con, quoi. C'est toujours la même chose, hein. Arrêtons de tomber dans tous les pièges, quoi. Bah oui, parce que pendant que tu fantasmes sur une idée que tu as vue à la télé ou que tu as entendue à la radio ou sur internet, le monde continue d'avancer. C'est aussi simple que ça.